I now have the pleasure and the great honor to call on His Excellency Mr. Salahuddin, who is the president of our Conference of Parties. Thank you very much, sir, and who will give us also his statement for this forum. Thank you. Madame Bernarditas, merci de co-organiser cet événement aux côtés de Madame la Ministre, Monsieur Georges, et tous les présents ici, Messieurs les ministres du Nicaragua, amigo, te saludo. C'est une rencontre naturellement importante sur un sujet important. Mais avant de l'aborder, je voudrais me joindre à ce qui a été dit par Bernarditas. Pour une pensée collective à toutes celles et tous ceux qui souffrent aujourd'hui face aux phénomènes extrêmes naturels. On sait ce qui se passe aux Caraïbes. On l'a souvent dit et répété, les États insulaires sont les États les plus menacés par le réchauffement climatique. Et ceux qui continuent encore à douter sur la portée et les risques que représentent aujourd'hui le changement climatique et les phénomènes qui l'accompagnent devraient revenir à la raison et se dire qu'il est temps de poursuivre, et non seulement poursuivre, intensifier l'engagement de tous les acteurs en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique. 2015 a été marqué par un grand accord. Et cet accord était le fruit de la conjonction de deux choses importantes. Le premier, c'est la prise de conscience de l'urgence. Mais la seconde qui est quand même importante, c'est qu'il y avait des leaders qui avaient le courage de franchir le pas. La décision politique par rapport à des questions qui marquent des changements dans la trajectoire des sociétés, des vies, de l'humanité, nécessite un grand courage politique. Ce courage politique a été acté en 2015 et réitéré, réaffirmé lors de la COP22 à Marrakech. Et lors de cette COP, il fallait assurer l'accélération de la dynamique. Marrakech a été une COP de l'action et le choix du terme action n'est pas fortuit. Il fallait aussi faire de sorte que cette dynamique mondiale marche sur ses deux piliers, ses deux pieds, les États, les gouvernements et les acteurs non étatiques. Marrakech a été l'occasion de donner un cadre structurant pour les acteurs non étatiques en les impliquant fortement dans les initiatives, mais également dans le soutien et l'accompagnement des initiatives étatiques. Mais lors de cette COP, il était aussi question de la finance climatique, comme il a été question d'autres choses. Mais la question de la finance climatique était une question qui revenait avec insistance, et c'est normal. Quand on voit les besoins et quand on fait les projections, on se dit « waouh, comment on va faire avec tout ça ?» Mais on sait en même temps que ce n'est pas l'argent qui manque. C'est la réorientation de l'argent vers là où ça devrait aller. Créer des réflexes. Et ces réflexes sont de deux niveaux. Le premier, naturellement, est lié aux réglementations des États et au rôle des États. Mais le deuxième, c'est dans les réflexes et les têtes. Décider d'un investissement et intégrer la dimension environnementale et climatique dans la décision est quelque chose qui doit devenir un réflexe naturel, normal.
Un deuxième point fondamental, c'est que, et c'est ce que j'ai dit aussi à plusieurs occasions aux négociateurs, c'est quoi le rôle d'un négociateur ? Naturellement, de préserver les intérêts des États, etc. Mais est-ce que le monde avancera en restant figé sur des positions ? Quand on connaît les enjeux, est-ce qu'on peut avancer en restant figé sur les positions ? Et en définitive, les réglementations comme les cadres que nous mettons en place, est-ce qu'on les fait pour les cadres et pour la réglementation, ou on les fait parce qu'il s'agit de la vie de femmes, d'hommes, d'enfants sur la Terre? Quand on tient ce genre de réunion, naturellement, il y a de la technicité. On est confronté à des problématiques concrètes de mise en place de normes. Jusqu'à aujourd'hui, les acteurs ne se sont pas mis encore d'accord sur la définition de la finance climat. Alors, qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on veut réellement ? C'est quoi notre rôle ? C'est d'aller au-delà. Aller au-delà de la technicité qui est importante, de la préservation des intérêts nationaux, combien ils sont importants, pour franchir un pas, un cap, qui est celui de dire, bon, nous sommes des acteurs dans un moment de tournant de l'humanité et de la vie des cités. Et ce tournant, nous avons le privilège d'y participer, d'être des acteurs dans ce changement-là. Et le fait d'avoir ce privilège nous donne une responsabilité. Un privilège est toujours accompagné par une responsabilité. Et cette responsabilité, c'est de faire de sorte qu'on puisse à chaque fois déverrouiller les verrous pour qu'on puisse aller beaucoup plus vite. On ne peut pas demander aux opinions publiques, aux citoyens, d'être conscients quand ils se rendent compte que les débats sur le financement, sur les entraves, continuent. L'être humain a besoin de voir du concret. Et si on ne fait pas de sorte qu'il y ait du concret, on va continuer à piétiner et avancer. Et chacun viendra avec une initiative de donner ceci ou cela pour continuer à faire vivre quelque chose qui, naturellement, aurait dû, aujourd'hui, prendre son élan. Donc, on est face à des responsabilités. Et la responsabilité, mesdames et messieurs, il ne faut jamais oublier qu'il s'agit avant tout de nos vies, de la vie des êtres humains. Qu'est-ce qu'on va dire ? Bien sûr, on va être malheureux de voir des enfants, des femmes, des vieux qui vont souffrir des phénomènes climatiques. On va observer cela aux Caraïbes et il va y avoir des drames. Et j'espère les moins possibles. Mais on va regarder cela et les médias et la communication aidant, on passera à autre chose très vite. Or, il s'agit de gens qui vont souffrir et souffrir pendant longtemps. Donc, c'est quoi le rôle et nos rôles collectifs ? C'est d'être des acteurs qui font avancer l'histoire. Et il faut faire avancer l'histoire. Et je vous demande, vous qui allez parler des infrastructures, et on sait combien l'investissement en infrastructures est important, nous sommes en train de parler d'un besoin sur les 15 prochaines années de 90 trillions de dollars. C'est une opportunité de création de jobs. C'est une opportunité de donner de l'avenir à des gens, à une jeunesse, etc. Mais c'est aussi l'opportunité de contribuer et d'accélérer la dynamique de mutation que le monde est en train de vivre. Il n'y a pas de projet mobilisateur dans le monde aujourd'hui, sauf
celui du changement climatique et de la nouvelle économie liée au changement climatique. Elle fait rêver parce qu'elle répond à une réalité concrète. Et donc, c'est une opportunité. Nous devons assumer nos responsabilités. Je vous demande, pendant ces 2 jours de travaux, pendant que vous êtes en train de discuter de choses importantes, et j'ai parcouru le programme riche, dans lequel il va y avoir des croisements, naturellement d'expérience, mais également des recommandations qui doivent aller dans le sens de l'accélération de l'histoire. Je vous demande d'intégrer toujours un élément. Nos décisions participent à une évolution de l'humanité et à un besoin dont le monde a aujourd'hui. Il faut assumer nos responsabilités et il faut qu'on soit à la hauteur. Le Maroc a été mandaté en tant que présidence pour avancer sur les questions de financement, comme il a été mandaté pour avancer sur la question de renforcement de capacité. Et c'est un peu le poisson qui se mord la queue. On a des projets, mais naturellement, au moment de mobiliser le financement, on se pose des questions, mais ils sont capables, pas capables, etc. Il faut faire confiance aux États, il faut faire confiance aux acteurs. Il n'y a pas de monde parfait. Il n'y a qu'un monde qui peut être perfectible. Il n'y a pas d'acteur parfait. Il n'y a que des acteurs qui peuvent être perfectibles. Et donc, faire confiance et se faire confiance fait partie des règles du jeu quand on est dans des phases de transition de cette nature. C'est pour cela que nous avons poursuivi un certain nombre d'actions, initiative CAPE avec la Banque mondiale pour la mobilisation de financement pour le climat. Du 11 au 15 de ce mois, il y a encore une initiative à laquelle nous avons participé avec le gouvernement britannique sur la finance climat. Nous allons organiser également un autre événement début octobre sur la métrique de l'adaptation. Donc, le Maroc apporte sa modeste contribution en tant que présidence dans quelque chose qui, en notre sens, devrait connaître une accélération. C'est vrai qu'il y a eu un moment de doute avec l'annonce de retrait américain, mais j'étais aux États-Unis. J'ai vu les acteurs, ils sont hyper mobilisés au niveau des États, des fédérations, au niveau des grandes villes, les acteurs opérateurs qui ont signé d'ailleurs une déclaration, une charte, une mobilisation forte américaine parce que les acteurs comprennent qu'il ne faut pas que le train du monde les dépasse. Il ne faut pas que le train de la réalité de l'évolution du monde les dépasse. Et donc, tout cela a été atténué, mais j'observe également par ailleurs une forte mobilisation, une floraison d'initiatives, mais la question de la finance reste posée avec acuité. Donc, un effort soutenu doit être préservé, l'état d'esprit des acteurs doit évoluer. Les décideurs doivent comprendre qu'ils ont un courage avec une petite prise de risque supplémentaire à faire et que nous avons tous plus à gagner qu'à perdre dans cette dynamique. Un petit mot pour l'Afrique, un continent qui se renouvelle et très vite. Il a la chance de le faire. Mais nous voulons qu'ils le fassent en respectant les normes environnementales et en faisant de sorte que tous les investissements qui vont être réalisés à tous les niveaux soient des investissements qui prennent en considération la dimension environnementale et la dimension climatique. C'est pour ça que le Maroc, en tant que pays africain, reste mobilisé pour cela, accompagnant des pays frères, mais également travaillant pour mobiliser le plus d'acteurs dans des logiques de partenariat public-privé en faveur des investissements respectueux de l'environnement. Donc, chers amis, je vous souhaite naturellement beaucoup d'ingéniosité
durant ces deux journées. Je vous souhaite la bienvenue dans ce pays que vous avez appris à aimer et dans lequel, et lequel pays vous le rend très bien. Je vous remercie. Thank you very much, Excellency, also for reminding us of our responsibilities and that's what we are talking about and that what we will be discussing in this forum is not just any technical financing, but a matter of survival. Survival in the face of very urgent adverse effects that daily, somewhere in the world are taking lives and livelihood.